Eh bien salut tout le monde, c'est vrai que j'espère que... Oui, je viens de sauvegarder. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ce Let's Play hein, sur Resident Evil 2, voilà. Rien que de dire ça, c'est énorme. Alors, déjà, petite chose, c'est que comme un con, je viens juste de me rendre compte que depuis le début du jeu, j'avais la clé de la réserve dans mon inventaire, qui ne sert à rien pour l'instant en tout cas. Que vous savez, c'est la clé qu'on a utilisée pour sortir du magasin au tout début du jeu, qui ne sert à rien dans le commissariat, bien évidemment. Donc, honnêtement, vous devez être 50 milliards dans les commentaires à me dire, mais mec, tu fais des allers-retours pour des objets alors que t'as une clé qui ne sert à rien dans ton inventaire. Ouais, c'est vrai que c'était pas ouf, j'avais pas du tout remarqué. Voilà, maintenant, voilà. Donc, je suis allé dans la salle où on devait aller en haut là, où je suis pas allé. On a récupéré un. D'accord, ferme ta gueule s'il te plaît, on s'en fout des serveurs. Oui, d'accord, ferme-la s'il te plaît, le jeu. Voilà. J'ai récupéré un livre rouge, un vieux livre abîmé. Alors il y a plein de zombies, honnêtement les gars, il y a plein de zombies. Mais on va devoir y rentrer parce qu'il y a plein de trucs à faire dedans. Voilà. Donc examinez, on va voir ce qu'il y a dans ce livre rouge. Je pense que. Il y a une marque de la main. Il y a la marque de... D'accord. Oui, je pense que c'est un livre à mettre sur une statue, non? Est-ce qu'il y a pas... Est-ce qu'on n'avait pas un fichier là-dessus? Est-ce qu'on n'avait pas un fichier là-dessus? Rapport d'opération. Si? Si, 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 si. Un livre et un... ok, sur une statue d'un roi. D'accord. Bon, on a le livre, visiblement, on a le livre. Hein. Donc, je me suis fait toucher comme un imbécile en récupérant le livre. Vous inquiétez pas, on va aller de toute façon revenir dans cette salle-là. Le livre, je vais vous dire où je l'ai récupéré. Bon, c'est pas. Y a rien de fou, honnêtement. Vous inquiétez pas, j'ai juste fait ça. Hein. Voilà, j'ai juste fait ça. J'ai ouvert cette porte-là, vous savez qu'on devait ouvrir. Alors, attendez, est-ce qu'il y a une autre porte? Non, il n'y a pas d'autre porte qu'on devait ouvrir ici. Et là, il y a des zombies, les gars. Voilà, voilà ça c'est fait. Bon, ça au moins c'est fait, on peut le dire. Alors, il y en a un là. Je vais pas le déranger parce que... Est-ce qu'il m'a vu? Bon, écoutez, je vais tuer juste ceux qui m'ont repéré, hein, logique. Ici. Je sais que je peux récupérer un couteau. Putain, mais c'est ouf! Pourquoi ils meurent tous en une balle, ces schlags? Donc voilà, je sais qu'il y avait un couteau ici, sur ce zombie-là. Et lui, bah écoutez les gars, lui, je vais le laisser manger tranquillement. Je vais pas le déranger plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Y a rien? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, donc il faut quelque chose. Ah, d'accord, c'est pour sauter. J'ai compris, ça y est. Il doit y avoir quelque chose sous les... Non? C'est pour sauter. C'est ça? Il n'y a rien sous les trucs. Tiens, j'aurais juré, quoi. Par contre, le zombie, s'il me chope, on est d'accord, je suis mort. Hein. Je préfère vous le dire, je suis mort. On va te laisser manger. Et regardez ce qu'il y a ici, puisque ici, on a... Un des médaillons à récupérer, puisqu'il y a une statue ici. On a même la poudre noire. Bon, ça c'est moins sexy d'un coup. Mais je veux dire. Parce que là, on a quoi là? On a une porte verrouillée, d'accord. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Plan de commissariat, étage supérieur. Ça m'intéresse, parce que la porte verrouillée, du coup, on sait. D'accord, donc c'est lié aux douches qu'on ne pouvait pas récupérer. Ok, les bibliothèques, il y a un truc ici. Bon, ça, on sait. Oh, bureau des stars. Oh. Oh. Bon, du coup, pour ça, il va falloir qu'on regarde les fichiers. Donc, c'était un des premiers fichiers qu'on a récupéré du jeu. Voilà, c'est là. Donc, voyons voir. Donc, là, on est sur le truc de la licorne. Donc, on a quoi? Oh là! Je vois à peine les trucs. On a un scorpion. On a un vase. Et au début, on a quoi? Deux poissons, c'est ça? Un scorpion, un vase et deux poissons? Ah, ok. Scorpion et vase. Voilà. On part sur un médaillon.
Voilà, les médaillons de la licorne. C'est vrai que c'est une licorne. Je dis comme ça, c'est vrai que c'est plus une licorne. Alors les gars, par contre, ce que je voulais faire, parce que moi ça me paraît bizarre, il y a forcément une stalle et qu'une statue. On va monter là. Putain, lui, je lui ai mis une balle dans la tête, j'y crois pas quoi. J'y crois pas. Non-respect. Donc ici, où on était passé de toute façon, je pense que... On peut... Ah oui, d'accord, on peut vraiment... On peut vraiment pas passer. D'accord. On peut vraiment... Mais ça servira à quoi de réunir les deux trucs? Oh shit. Ah d'accord. J'ai compris. Ah d'accord, bah, j'ai vu compris, oui, effectivement. Vu qu'il y a un trou, on peut plus accéder à la porte qui est là-bas. Ok, très bien. J'ai compris, je te laisse tranquille. Y a rien à récupérer, voilà. Allez, je te laisse tranquille, c'est bon. Eh oh, mec! Bon, allez! C'est bon, frère. Je vais utiliser mon soin, je pense, parce que là, j'ai pas envie de tenter. Quoique, est-ce qu'il y avait... Je pense que, ouais, il y avait un... Donc là, le lion. Là, on a la déesse. Mais il n'y a pas d'autres. On est d'accord, il n'y a pas d'autres statues. Puisque là, il faut avoir tous les médaillons. Et je pense qu'on va les mettre directement, les médaillons. Hein? Comme ça sera fait. D'accord. Bon, tu On veux va dire que mettre ça va l'autre être médaillon. dur? On dirait, mais le passage est encore fermé. Allez, c'est parti. Normalement, de toute façon, la clé trèfle, c'est fini. Hein. On a juste cette porte à ouvrir avec là. Et puis, normalement, ça nous libère une place. Normalement. Voilà. Parce que là, on sait toujours pas qu'est-ce qu'il faut utiliser comme code. J'en sais rien du tout. On va pas perdre du temps là-dessus parce qu'honnêtement, ça, c'est le genre de truc à ne jamais y arriver. Voilà, donc là. On va utiliser la clé et je sais pas si. Vous pouvez débarrasser des objets déjà utilisés et marqués comme symbole en sectionnant. Donc ça veut dire qu'elle n'est plus utile. Écoutez les gars, je ne vais pas l'acheter, je vais la laisser dans le coffre. Voilà, donc on a déposé la clé dans le coffre, je ne jette pas les objets, voilà, je n'ai pas envie de jeter les objets. Voilà, allez ça, pourquoi, je ne sais pas. En tout cas. Les gars, ça pue. Ah! Donc là, on pourra mettre le livre rouge. Il va falloir encore que je fasse un aller-retour. Génial. La pierre rouge, un rubis qui captivera le prince Édouard, la perle, un diamant, la guillotine, l'histoire liée à l'attrait exercé par les pierres précieuses sont légion. Cette mystérieuse pierre rouge n'est que la dernière d'une longue série. Comme les autres pierres, l'origine de celle-ci est inconnue. On dit qu'elle orna jadis la boîte à bijoux d'une noble et qu'elle fut même attribuée à un roi sage. Cet automne, cette pierre auréolée de mystère sera exposée à l'occasion des enchères. De nombreux passionnés devraient s'y bousculer. Mais, virgule, cher lecteur, faites preuve de prudence car le mal est tapi dans l'ombre de la beauté. Cette pierre a transformé des nobles soucieux de leur sujet en despotes plus terribles que Caligula. Ouais. La pierre corrompue. La pierre. Voilà. Et nos histoires le prouvent, c'est le sang versé pour ce. Ok. Bon, beaucoup de blabla. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est pour récupérer le fusil à pompe. Là, on va être ok. Là, on va vraiment. Bon, par contre, il va falloir mettre le livre rouge ici. Bon, alors, effectivement, on sait mettre le bras d'une statue quand même. Ah oui, non, il va falloir combiner ça. Non, j'ai rien dit. Il va falloir combiner ça au livre, hein, je suppose. Bon, on va aller chercher le livre rouge du coup. Aller-retour, on kiffe. Ah, c'est bon. On a le livre rouge, les gars. On l'a enfin récupéré. On va mettre ce jeune livre. Non, on va pas utiliser les munitions sur le truc. On va pouvoir récupérer le la main avec le truc, c'est ça? Ou alors directement le... Ok. Sceptre.
Ok, alors là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Examinons. Un joyau qui sort. Voilà, donc visiblement, on savait qu'elle était à la base sur une boîte à bijoux. Donc. Alors, une planche. Putain, en plus, on a le truc pour récupérer la boîte d'âme. Il va falloir qu'on aille chercher tout ça. Sont là, il va falloir. Ouais, il va falloir une manivelle qu'on n'a pas de toute façon. Donc, pour moi, il va falloir qu'on aille récupérer ce fusil à pompe, El Famoso. Il y a un zombie là, de toute façon, on l'a entendu. J'apprécie. Alors déjà, ça, oh oui, je veux ça. Non, je veux l'utiliser. Non. Bon, écoutez, on va l'utiliser ça. Ah, ça casse les couilles. Ah ouais, non, 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 non. Allez les gars, on va utiliser cette fameuse carte pour récupérer le fusil à pompe, ultra important quand même, hein, ultra important. Bon, je pense que vous avez tous fait la démo, donc vous savez tous que c'est le fusil à pompe qu'on récupère ici. Parce que depuis tout à l'heure je dis fusil à pompe, mais effectivement, c'est parce que je pars du principe que vous avez fait la démo. Voilà, donc on recharge le fusil à pompe. Tac, on s'est encore fait toucher sur le chemin, je suis dégoûté. C'est pas grave, c'est vrai que je me suis fait beaucoup toucher bêtement, hein, depuis le début. Bon. Écoutez, c'est pas grave. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, utiliser l'herbe. Allez, on est parti, on est parti, on est parti, on est parti. On remonte du côté d'où on a été. Donc j'ai posé le joyau dans le coffre. Bon, il n'y a pas grand-chose. On a le fusil à pompe au moins maintenant. On est un peu plus armé, un peu plus frais. Voilà. Donc, bon, j'ai toujours un soin avec moi, le couteau, tous les petits trucs. Donc c'était la clé pique, hein, pas la clé trèfle. Alors il faut savoir que je tourne l'épisode 1, 2, 3 à la suite. Voilà, donc je ne vois pas vos commentaires. Je pense que par contre l'épisode 4... je verrai vos commentaires. Puisque à partir de l'épisode 3, je vais commencer. Ah oui, donc c'est l'hélico qui. Ah oui, d'accord, on a des hélicos qui se crashent comme ça, au calme, quoi. Pas de problème, pas de problème. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Un hélico qui se crashe. Claire, bouge pas, j'arrive tout de suite. D'accord. Claire, je suis content de te voir. Comment tu vas? Cet hélicoptère est sorti ouais. De nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé, je me trompe? Malheureusement, non. Toi, comment tu t'en sors? On va dire que je survis. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère? Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Merde. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. C'est l'heure du dîner. Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. Claire, va-t'en de là. Allez. Hé, on va s'en sortir, tous les deux. Comme ce magnon. Ça chauffe par ici. Bon. Ça Encore des planches de bois. Marvin, vous me recevez? Ouais, Marvin, il est déjà Marvin? zombie, hein. Merde. Marvin, il est déjà zombie, mon ami. Ouh, c'est bien ça. On sait à quoi ça va servir. Ça va servir. Ça sert à deux endroits dans le jeu, je crois. Ils sont là, ouais, c'est fermé.
Ah oui, bah, ça va servir là, bien sûr. Après, je vais prendre la planche. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir accéder au coffre rapidement. La pince qui va nous permettre d'ouvrir plusieurs portes. Hein, on le sait. On le sait. Bon, une pince animée par un bras invisible. Hein. Ah ben voilà! On se retrouve ici. Parfait. Bonjour. Par contre. Comment on fait pour l'attaquer? Mais je voudrais attaquer au 4! Voilà. Pas besoin de flingue, exactement. Tiens. Hop. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Ça n'est plus à faire. Bon, maintenant qu'on a un couteau, d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Maintenant qu'on a un couteau, on va pouvoir. D'accord. Il y a un zombie. Alors, attendez, parce que là-dedans, il doit y avoir un zombie aussi. Je vais quand même aller voir. Je sais que c'est. La curiosité est un vilain défaut, n'est-ce pas? Ouais, non, non, clairement là, la curiosité est un très vilain défaut dans Resident Evil. N'est-ce pas? On s'en passera. Alors attendez, par contre, je veux voir un truc. C'est cet endroit-là. Là, on peut ouvrir maintenant, non? On peut pas ouvrir? C'est ridicule, on peut ouvrir maintenant, on a le couteau. Mais ce jeu est ridicule. Ce jeu est ridicule. Enfin bon, bref, passons. Bon, par contre, je vais vite commencer à utiliser le fusil à pompe s'il y a trop de zombies qui m'attaquent. On est où là? Ah, d'accord. Ça c'est fait. Oui, bon cœur, ça c'est cool. Des munitions. Oh putain, ça commence. Non, mais on va tuer tous les zombies, c'est tout. Faut les tuer un par un, clairement, parce que là. Putain! Ça le schlag! Mais donne-moi mon couteau, toi! Putain! Ouais. Bon, la grenade assourdissante, c'est bien gentil, mais le problème, c'est que c'est pas un objet clé, tout ça. Ah! Ça, par exemple, je préfère. Oh putain, poudre supérieure. Mais attendez, il y a trop de trucs. On a trop de trucs. On a trop de trucs. Clairement. Moi, ce que j'aimerais. Alors attendez, ça nous. Ok. Ok, je vois. Je vois. C'est pour contourner tous les zombies. Ok, bon. Là, on va pas ouvrir pour l'instant. Je vois où on est en fait. Il serait temps, hein, je sais, mais. Au moins, on va pouvoir pas tarder à. Oh putain, non. Que des trucs inutiles. Alors la manivelle, je me souviens plus, on l'utilisait, mais je. Putain, c'est vrai qu'on va pas pouvoir récupérer tous ces objets là, hein. Ça va pas être possible. Au moins, on va récupérer le plus important. Voilà, je sais où on va pouvoir le récupérer, je pense. On va faire machine arrière. Est-ce qu'on va faire machine arrière? C'est vrai que le volant. Le volet, pardon, on va pas pouvoir. Je pense que. Bon, on va essayer, on va essayer. Alors, on va essayer. Je pense qu'il va y avoir des zombies à tous les coups. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça va être la poudre jaune, ça. Composant électrique. On en a besoin. Bon, le couteau, il dégage. Non, le couteau, il dégage, par contre. Le couteau, il dégage. Parce qu'on en a déjà un autre, de toute façon. Voilà. Donc là, on va pouvoir l'utiliser, vous savez. Ok. Not nice. Putain de sa race. Ok, mode rampant activé. C'est vrai qu'on peut tirer, on pourrait tirer dans les jambes, remarque. Aussi. Ouais, j'allais le dire. Ok. Composant électrique. Oui, il est là. Voilà, donc on peut repasser par là et déposer les objets. Ça c'est nice. Ça c'est nice, les gars. Je pense pas que la pince, on en ait encore besoin. Écoutez, je vais la déposer. Je pense pas qu'on en ait encore besoin. On va récupérer tous les objets qu'on est passé à côté. Mais crève, non? Ah ouais, non mais là, ouais, non mais là, ouais. Clairement, là, ouais. Ok, c'est pas là, super. Ok, les gars, c'est parti. Maintenant qu'on sait que ça s'utilise aux douches, ce truc. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait un zombie. Bon, de toute façon, il va pas nous faire chier, parce qu'on va monter. Mais voilà, maintenant qu'on sait que ça s'utilise aux douches. Hop, on y va directement, on perd pas de temps, tac, voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, ici, il n'y avait rien, je crois. Il n'y avait rien de plus. Voilà, j'avais tout récupéré de toute façon, il me semble. J'avais. Ouais, bon, il reste une planche en bois là-bas, mais bon, ça, on va pas y aller exprès. Il y a deux zombards quand même qui traînent. Je tiens quand même à rappeler. Merde, au niveau, on est où là? Donc c'est bien ici. Non. Oui, c'est bien ici. Il va falloir descendre l'escalier. Je sais pas si c'est une bonne idée de courir en vrai. Je sais pas trop si c'est une bonne idée de courir. Alors, lui va se relever tous les coups. Peut-être mourir un jour. Bonjour. Je sais que là. Referme cette porte, s'il te plaît. Bon, là, je sais pas. Par contre, là. Lui va se lever à tous les coups. On le sait tous. Non? Il s'est pas levé, genre. Ok. Pourquoi? Ah oui, c'est le casier. C'est le casier. Alors peut-être que les casiers correspondent. Alors attendez, les gars. J'ai peut-être une idée. Parce que peut-être que les casiers correspondent aux initiales. Par exemple, je sais pas, genre un rapport d'opération. Elliot Edward. Peut-être que c'est genre les initiales, par exemple, d'un mec qui écrit. D'un policier, quoi. Ok, alors toi, t'es vraiment suspect. Toi, t'es suspect de ouf, mec. Hein. Fais pas genre. T'es suspect de ouf. Poudre noire. Rien du tout. Parfait. Bon, on va peut-être prendre la poudre noire du coup. Même si, pour moi, c'est pas la folie ce truc. Bon, c'est vrai que les munitions, ça baisse quand même. Hein. Je peux pas dire. On est où là? Oh putain, que ça pue. Ok. Oh, c'est vrai qu'on va être dans le bureau des stars et tout. Pourquoi je... Et c'est vrai qu'on a utilisé des cartouches de fusil.
Et c'est vrai qu'on avait rechargé, etc. C'est bizarre, moi je pensais pas en avoir utilisé autant. Ok, le premier liqueur. Ok. Il fout la pression, hein. Pile. Ok, mais alors là, les gars, avec tout ça, on va pas pouvoir récupérer tout. Bon, au moins, un truc à lire. Note interne. Avis de transfert matériel, coffre à trois chiffres, résistant à la chaleur, déplacé du bureau vers le bureau ouest 1F. Combinaison gauche neuve, droite. Ah, ok. Bureau ouest. 1F ouest. Ok. Au moins, on a la combinaison d'un coffre. Et donc là, on est. C'est le truc de Chris Redfield. Hein, voilà. C'est juste le bureau du frère de Claire, mais lui, il ne le sait pas. Il ne sait pas que Chris est le frère de Claire. Oh putain, on peut rien récupérer. C'est tellement triste. Ah, si, on peut au moins récupérer des cartouches de fusil. Voilà, bon. Combiner ça à ça. Sais pas ce que c'est. Sûrement un truc à collectionner, à récupérer. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a plein de trucs à récupérer ici. Et moi, je suis deg. C'est quoi ça? Pile. Non, on peut pas un peu utiliser. Donc où on peut utiliser la pile en vrai? Insérez votre clé dans le port USB. Dans quoi on peut... On est où là? On peut récupérer une arme. Putain les gars, vous savez ce qu'on a sorti? On a un putain de liqueur. Je dis ça, je dis rien. Ça pue. Hein. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Il y a une buanderie. La pile, mais elle va où la pile, les gars? Attendez, on va marcher tout doucement. Hein, vous savez pourquoi? Oh, ça rase. Oh putain, mais genre, comment il m'a vu? Comment il m'a vu? Ah, je suis mort. Aïe aïe aïe. Je crois qu'on la drain. On sait que la porte de gauche, on peut pas l'ouvrir. Donc on va pas faire du bruit exprès. Hein? On va déverrouiller cette porte, s'il vous plaît. Voilà. Ouh! Donc on sait que on a un code, enfin on a le code pour. Oh putain, ça y est, un zombie. On a un code pour la porte, pour le coffre, je sais plus quoi. Bref, on a récupéré des trucs, on a récupéré une pile. Mais le coffre ouest, les gars, c'était où ça? C'est le bureau ouest, on m'a dit le bureau ouest. Ah ben voilà le bureau ouest. Ah bah oui, c'est là. C'est là où il y a 40 000 zombies, parfait. Il était où ce putain de coffre?
Ah oui, je me souviens où il était. Ok. Toi. Toi, t'es mort. Putain de merde. Il va se relever, mais au moins. Donc, attendez. On va. Gauche 9, droite 15, gauche 7. Gauche 9, droite 15, gauche 7. Ok. D'accord. Donc en fait, il fallait pas confirmer à chaque fois. Je suis vraiment qu'un teubé. Ok, une sacoche pour avoir plus d'objets. Aïe, aïe, aïe. Mais ça ne nous dit pas du tout où est-ce qu'on chope les trucs. Ok, au revoir. Bon les gars, on va s'arrêter ici, hein, honnêtement, de toute façon. Ça ne nous dit pas du tout ce qu'il faut faire. Puisqu'on est toujours... je me demande ce qu'on va faire au prochain épisode, honnêtement. Parce que là, on a une pile. Je vois pas du tout où il faut utiliser la pile, en fait. Bon. On verra, écoutez les gars, on verra, on aura le temps de voir. Tac, on a une pile, je sais pas ce qu'il faut en faire. De toute façon, examiner, voilà. Je sais pas ce qu'on va en faire de cette pile, en tout cas on a plus d'objets, ça c'est cool. On va se laisser ici les gars, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 4. Je vous dis portez-vous bien.